Donc, merci ce soir pour votre présence. Est-ce qu'on m'entend bien? Génial. Donc, mon collègue et moi, Mathieu, moi-même, Médéric, puis Steve, on fera un plaisir de vous présenter, en fait, là, Gianni, qui est un outil là, de création de contenu numérique qui permet à la fois de faire de l'analyse iconographique, mais aussi de la ludicisation en univers social. Donc, en gros, ce soir, c'est pas. On va, outre introduire l'outil en lui-même, on va s'intéresser aussi là, au cadre théorique entourant l'utilisation d'iconographie en univers social, à comment Geniali nous permet en fait là, de faciliter cette utilisation, que ce soit pour l'élève ou pour l'enseignant. Puis ensuite, dans un deuxième temps, nous allons regarder ensemble comment on peut concevoir des jeux avec Geniali, que ce soit des jeux de plateau ou des jeux d'évasion. Le tout là s'accompagnera d'un petit atelier où vous aurez l'occasion en fait de travailler un peu avec l'outil. Juste mentionner là, rapidement, si vous avez des questions tout au long de la présentation, ne pas hésiter. Vous pouvez bien sûr me contacter de vive voix ou écrire dans le chat. À ce moment-là, mes collègues se feront un plaisir de vous répondre. Donc, avant de se lancer là, dans le vif du sujet, on voulait prendre un petit moment pour situer l'utilisation de Geniali dans le cadre de référence de la compétence numérique. En fait, là, à notre sens, Geniali, en tant qu'outil de création de contenu numérique, se situe vraiment à l'intersection de innovation et créativité et production de contenu. Parce que, bon, il offre de belles opportunités de création pour les élèves au niveau de la créativité, c'est vraiment bien. Puis, ça peut être une occasion aussi de produire du contenu qui fait changement de la traditionnelle diapositive ou production écrite, ce qui permet de ratisser plus large puis d'aller accrocher des élèves qui, parfois, sont peut-être un petit peu moins le fait. À l'aise avec les formats plus traditionnels. Donc, qu'est-ce que Geniali? Concrètement, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà le logiciel, mais en fait, Geniali, c'est un outil de création de contenu interactif. Donc, c'est un logiciel quand même assez polyvalent qui permet non seulement de monter des présentations un peu plus traditionnelles, mais aussi créer des tableaux interactifs, des jeux de société, des présentations. On va avoir l'occasion de regarder ça un peu plus en détail. Pour utiliser Geniali, comme on vous l'a demandé lors de votre inscription, on vous recommande d'user de votre compte Office 360 associé à votre centre de service. Comme ça, ça vous donne un peu là, accès à certains accès d'ordre un peu plus éducatif. Quand même à noter néanmoins que, sauf exception, là, à moins que votre centre de service ait un forfait premium associé à vos comptes, généralement, c'est un forfait quand même qui est limité, notamment là, au niveau des partages de production. Donc, si vous utilisez Geniali en classe avec vos élèves et que bon, vous voulez un partage de production auprès de vos élèves ou que vous-même vous créez une présentation, puis bon, vous voulez la partager, par défaut, le forfait de Geniali, celui gratuit, fait en sorte que c'est accessible à l'ensemble du public. Bon, dans les faits, il faudrait vraiment que quelqu'un cherche de manière pointue là, pour trouver votre présentation, mais c'est une chose à garder en tête là, quand même. Malgré tout ça, malgré bon, ces limitations là, liées au forfait gratuit du logiciel, on croit quand même que Geniali occupe une fonction qui est difficile à remplacer dans le domaine des logiciels du genre. Donc oui, il y a cette limitation-là, mais dans l'absolu, il n'y a pas vraiment d'autres logiciels qui offrent ce genre d'avantages que Geniali propose. Pourquoi? Donc, c'est ce qui fait un peu le tour là, de la présentation générale du logiciel. On va avoir l'occasion ensemble d'explorer un peu son fonctionnement un peu plus loin. Mais avant de tomber là, dans l'aspect un peu plus technique, on voulait vous parler un peu de
l'intérêt d'utiliser l'analyse iconographique en classe d'une valeur sociale et comment Gemelli, en fait, peut représenter une valeur ajoutée. Donc, l'une des forces de Gemelli, c'est que c'est un logiciel qui facilite l'analyse de documents iconographiques. L'analyse de documents iconographiques en univers social, elle est quand même assez là, importante, elle est quand même assez pertinente. Du point de vue de l'élève, ben, ça facilite par exemple de comparer des sociétés à différentes époques. Donc, dans l'exemple que l'on voit là, dans la diapositive, on a une gravure du port de Montréal avant l'industrialisation et une gravure du port de Montréal après l'industrialisation. Donc, en un coup d'œil, pareil dans le cas présent, l'élève peut vraiment constater le passage du temps, puis les différentes, les importantes. Conséquences de l'industrialisation sur le paysage, sur une ville. Ça permet de retracer les événements historiques, de les illustrer. Donc, par exemple, en montrant des photos de la Deuxième Guerre mondiale, du mouvement syndical, ben, ou de la déforestation de l'Amazonie, ça permet de rendre ça beaucoup plus concret que simplement en parler ou simplement avec du document écrit. Mais en fait, ça prend vraiment sa vitesse à partir du moment où le document est utilisé pour répondre à une question d'interprétation, une question historique ou une question d'ordre géographique. C'est l'analyse de documents, en gros, c'est quelque chose aussi qui est moins austère que le texte. Donc, pour vos élèves parfois qui peuvent avoir de la difficulté de lecture, ben, d'utiliser ou qui sont un peu plus créatifs. Faire de l'analyse d'une peinture, l'analyse d'une photo, ben, c'est quelque chose là, de différent, c'est quelque chose de plus accessible pour l'élève. Au final, une image vaut 1 000 mots. Donc, l'utilisation d'images, ça facilite vraiment la caractérisation d'une réalité historique ou géographique. Donc, là où Gemelli va s'avérer intéressant maintenant, en gros, c'est qu'il offre différents outils d'annotation. Il permet d'insérer, bien sûr, des images en elles-mêmes, mais des différentes icônes, différentes, de tracer des zones, jouer avec la transparence et de la présentation. Donc, par exemple, ici, on les fera pas tous, mais on a différents types d'imagerie. Et si, en fait, c'est toujours important, comme je l'ai dit, plutôt d'interroger l'image afin d'en faire une lecture critique. Donc, par exemple, ben, on voit ça avec la caricature sur la partition de l'Afrique. Ben, je pourrais demander à mes élèves de s'interroger, par exemple, sur comment la caricature illustre le concept d'impérialisme, qui est un concept, là, finalement, là, présent dans les cours d'histoire de premier cycle, ainsi que de deuxième cycle. Je pourrais aussi, par exemple, pour parler là, du changement de la vision de l'homme, pendant la Renaissance, m'intéresser à cette représentation de la dernière scène et la comparer avec une peinture plus médiévale pour voir comment l'humanisme transforme notre manière de représenter le religieux ou des scènes historiques à travers le temps. Mais pour le cadre de notre exemple, on va aller plus en détail un peu avec cette gravure médiévale. Donc, avec cette gravure ici, ben, ça représente les trois ordres au Moyen Âge et je pourrais en fait poser la question, mais que nous apprend, qu'est-ce que ça nous apprend sur la société médiévale ou sur la vision que les gens avaient à l'époque de la société. Donc, on voit ici, par exemple, un membre du clergé. Donc, j'ai ajouté une petite puce, puis bon, j'offre un descriptif ici, un chevalier, ainsi que un paysan. Donc, les trois ordres, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. On pourrait après même aller plus loin dans l'analyse de la gravure. Par exemple, on voit bon, que ceux qui travaillent n'ont pas des vêtements de couleur, c'est des couleurs naturelles, donc ont moins d'argent. On pourrait même dire, bon, ben voyez-vous, le clergé, le prêtre, il parle et les deux autres semblent l'écouter. Donc, on pourrait vraiment pousser l'analyse un peu plus loin en fonction, bien sûr, du dossier documentaire. Mais ce que Gemelli est intéressant à faire, justement, c'est qu'on peut, en tant qu'enseignant ou en tant qu'élève, je peux identifier des éléments et m'aider un peu à répondre à ma question de départ. Puis je peux même là, créer, après, coucher par écrit, l'interprétation que j'en fais
en tant qu'apprenant. Donc, est-ce que ça allait pour le moment? Je ne sais pas si Mathieu, là, tu pourrais me dire, on m'entend toujours bien, je ne vais pas trop vite. Non, c'est parfait de ton côté, Médéric. J'ai rien à ajouter sur l'analyse iconographique. Je pense que c'est très, très bien fait. Ce qui est intéressant aussi, comme sur la conférence de Berlin, par exemple, c'est qu'on peut utiliser justement une présentation Genially pour devenir un outil de présentation et aussi de révision. En fait, cette caricature-là qui présente la conférence de Berlin permet vraiment d'avoir un portrait global de ce qui est la partition de l'Afrique. Donc, qui était présent, qui a organisé la conférence, quel était l'objectif de la colonisation de l'Afrique, quelles étaient les ressources naturelles qu'on allait chercher. Donc, ça devient un outil même de révision en plus de l'outil de présentation. Évidemment, dans celui-ci, il y a énormément de textes. On recommande d'en avoir beaucoup moins pour synthétiser le tout et en faire une analyse efficace. Mais dans les faits, ça peut être également un outil de révision très, très puissant, accessible au bout des doigts. Oui, merci Mathieu. En fait, on va explorer un peu, je vais vous montrer un peu là, en temps réel comment exploiter Genially. Ça va en même temps être l'occasion de vous présenter là, les différents éléments de l'interface. Donc, pour créer un Genially, bon, ben, première chose, être connecté. Vous voyez, là, moi, je me suis connecté avec mon compte ici, QC. C'est un compte là, qui est non premium. Donc, il y a les mêmes limitations que le vôtre, probablement. Une fois que vous êtes connecté, dans l'accueil, nous, ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est de créer une image interactive. Donc, dans le menu, on sélectionne Créer une image interactive. Bien sûr, il y a quelques modèles de base qui vous sont suggérés. Néanmoins, nous, on va partir de zéro. Avec mon curseur, je clique ici. Et je peux simplement aller chercher une image sur mon ordinateur. Celle-ci, acceptée. Bon, par défaut, on a un outil de recadrage. Donc, s'il y a des éléments dans l'image qui m'intéressent moins, je pourrais les retirer. Dans le cas présent, je crois que je vais garder à peu près l'ensemble de cette image. Donc, c'est une image qui date là, du début du siècle dernier. Donc, avec mes élèves, je pourrais simplement poser la question suivante. Comment cette image représente la transition faite d'une société non industrielle à une société industrielle? Donc, je vais enlever là, les puces qui apparaissent par défaut. Et en fait, ben, afin de répondre à ma question de départ, je pourrais simplement là, identifier les éléments dans l'image. Donc, pour ajouter des éléments dans Genially, ce n'est pas bien compliqué. Donc, vous avez une barre d'outils à votre gauche. Par défaut, elle est sur éléments interactifs. Donc, à partir d'ici, je peux simplement sélectionner un bouton, donc, par exemple, un petit œil. Le déposer, en cliquant dessus, il va se déposer automatiquement dans l'image. Je peux cliquer dessus et le déplacer à l'endroit que je juge intéressant. Donc ici, on voit une calèche, chose quand même qui est pré-industrielle. Je trouve ça intéressant. Je dépose mon bouton ici. Le bouton, bien, je peux le modifier, hein. Gris, ça ne ressort pas énormément sur la photo d'époque. Donc, je pourrais amener mon curseur en haut. Et sélectionner une couleur dans la petite barre d'outils ici. Elle est avec un rose. Là, ça sort un peu plus. Et toujours sur le bouton, en cliquant dessus, j'ai des éléments d'interactivité que je peux sélectionner. Donc, je clique sur Ajouter de l'interactivité, qui est la petite main. Et voyez-vous, là, il y a différents types. On n'explorera pas tout ça ce soir parce qu'on en fera pas le tour, mais rapidement, je pourrais par exemple ajouter une étiquette avec du texte pour expliquer, bon, ben, c'est une calèche, ça montre qu'au moment de la révolution industrielle, il y a une phase de transition, puis les différentes technologies de différentes époques cohabitent.
pourrait aussi, en fait, ajouter d'autres éléments. Par exemple, on voit le poteau électrique ici. Je pourrais bien sûr ajouter une puce comme j'ai fait pour la calèche, mais si je le veux, par exemple, ajouter un élément là, qui serait un peu plus. Un peu plus là, qui sera un peu plus marquable, je peux aussi tracer une forme. Hein. Donc, je pourrais aller dans Ressources, dans la barre d'outils à gauche, cliquer sur la forme de mon choix, la déposer et la tracer. Vous dites, bon, ben, c'est un corrigé comme ça, c'est pas super dans l'image, mais en fait, Vignoli permet aussi d'ajuster des éléments d'opacité, par exemple, avec la barre en haut. Donc, en cliquant sur l'opacité, je pourrais réduire le tout. Encore une fois, changer la couleur. Et voilà, ça me permet de tracer une zone dans l'image. Et encore une fois, en cliquant sur le carré, je peux ajouter un élément d'interactivité. Je peux même visionner ma présentation avant de partager. Donc, en cliquant sur prévisualiser, ça donne une idée du résultat final. Et lorsque je clique, et vous y apparaît mon texte. Donc, l'élève pourrait vraiment tracer les images, ajouter des boutons, de sorte à ce que, en présentant, mettons, à ses coéquipiers ou à l'enseignant, on passe le curseur, puis on voit l'élève dessiner. Qu'est-ce que l'élève a dessiné à même image? Donc, c'est un outil franchement intéressant là, pour ce qui est de l'analyse d'iconographie. On aura peut-être l'occasion de travailler un peu là-dessus ensemble par la suite. Mais entre-temps, je vais passer là, la parole à Mathieu pour ce qui est en fait là, de l'utilisation de Genially pour créer un jeu. Mathieu, est-ce que tu préférais que je continue le partage ou tu préférais le prendre en charge? Je vais faire le partage de mon côté. Voilà, vous voyez bien mon écran? Oui. En mode plein écran, voilà. Donc, de mon côté, je vais vous parler en fait aujourd'hui de pourquoi utiliser le jeu en classe d'univers social. En fait, on sait que le jeu a des avantages importants sur l'apprentissage des élèves. Et en classe d'univers social, on considère que c'est une discipline qui s'y prête bien. D'abord, le jeu va nous permettre de consolider les apprentissages, donc utilisés dans un contexte de révision. C'est très intéressant pédagogiquement. Ce qui est intéressant et ce qui est ressorti également des différentes formations qu'on a données dans la dernière année, c'est que les élèves, lorsqu'ils jouent, n'ont pas peur de se tromper. Contrairement à une situation de classe où on questionne les élèves, certains n'osent pas participer, n'osent pas lever la main, vont toujours rester très passifs en classe. Et donc, à travers du jeu, on a remarqué que les élèves participaient, se trompaient et ça ne les affectait absolument pas. Ils n'avaient pas peur du jugement. Donc, d'avoir droit à l'erreur dans un contexte de jeu, de révision et d'enrichissement. Pense que mon micro a été coupé. Ça se peut. J'ai eu une notification, je m'excuse. Donc, le fait de pouvoir faire des erreurs, c'est somme toute une plus-value d'intégrer le jeu en classe. De plus, les élèves qui jouent sont dans un contexte immersif, ce qui les permet justement de sortir de leur environnement physique et d'être impliqués dans le jeu, et donc va quitter son environnement de classe pour intégrer un univers ludique, un univers ludique et pédagogique. Et donc, c'est gagnant à cet égard-là encore. Donc, nous recommandons d'utiliser le jeu dans un contexte de ludicisation. Je vous explique pourquoi. En fait, lorsqu'on intègre le jeu en classe, on peut l'intégrer sous l'optique de la ludification, où l'objet ludique, le plaisir va être mis en valeur. Cependant, il faut dépasser le simple plaisir et transformer une situation d'apprentissage en jeu. Donc, de rester, par exemple, sur le développement des opérations intellectuelles,
poser des questions aux élèves, par exemple, sur les apprentissages, de faire un retour justement sur ceux-ci. Et donc, si on réussit à transformer des actions qui se déroulent dans une salle de classe avec une intention pédagogique bien précise, en intégrant le jeu, on s'en va vers la ludicisation. Et c'est l'élément sur lequel on doit miser lorsqu'on souhaite intégrer le jeu. Donc, de toujours avoir l'intention pédagogique en tête et d'utiliser le jeu comme un prétexte pour répondre à cette intention pédagogique. Geniali peut nous permettre d'y arriver. Et donc, on a mis en place, on vous fait une suggestion sur les jeux à prioriser à l'intérieur même de Geniali. En fait, Geniali va nous permettre de jouer à un jeu de Monopoly, de le personnifier, de le personnaliser, je m'excuse, et de l'adapter en fonction de notre réalité sociale ou de notre territoire en géographie. Également notre société au primaire. Il y a également le jeu de Jumanji, qui peut se jouer jusqu'à 4 joueurs. Il y a le serpent à échelle, qui est très ludique, mais aussi qui peut répondre à une intention pédagogique lorsque bien adapté. Et il y a également une version de Jeopardy, qui, celle-ci, malheureusement, elle est avec la version payante. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite étiquette à proximité. C'est que certains des jeux suggérés qui sont payants, malheureusement, mais la majorité des jeux sont complètement gratuits. Ces jeux ont certains avantages et on va aller le voir avec le jeu de Jumanji, par exemple. Donc voilà, dans les modules qui sont intégrés dans ce jeu, il y a le dé. Le dé qui est interactif et qui peut être utilisé en un simple clic. On a également des pions amovibles. Donc chaque joueur. En fait, un joueur qui contrôle l'ordinateur ou la tablette peut déplacer les pions de chaque joueur à tour de rôle. Et les éléments interactifs, tels que Médéric les a proposés tout à l'heure, sont inclus et sont personnalisables. On peut ajouter des éléments interactifs, on peut en supprimer, on peut les déplacer et les adapter à notre réalité. Donc, en univers social, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter des documents, des iconographies, des vidéos, des extraits textuels. Et également des extraits audio. On peut s'enregistrer, poser des questions à nos élèves et on peut même donner une rétroaction à l'élève ou enregistrer la réponse attendue, ce qui peut permettre de donner une rétroaction à l'élève. Là, je vous parle comme si l'enseignant créait le jeu en tant que tel, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut demander aux élèves pour une révision de dossier ou une révision même de fin d'année de créer eux-mêmes un jeu et de les impliquer dans le processus créatif, ce qui a des avantages pédagogiques significatifs et signifiants, évidemment. Donc, nous avons le board game ici, comme je parlais toujours de Monopoly, où on peut, par exemple, l'adapter en fonction de nos réalités sociales. Au secondaire, je miserais principalement sur l'industrialisation. Et j'aurai un exemple à vous montrer tout à l'heure. Donc, il existe quand même plusieurs modèles. Plusieurs modèles qui en valent la peine. Et on considère au Service national du récit que Geniali a un potentiel pédagogique important dans l'intégration et la conception de jeux de société en univers social. Derek, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il Oui, y a des questions aussi? en fait, Geniali a quand même, comme on a vu, différents outils intéressants là, pour ce qui est de la création de plateaux de jeu. Puis, ça peut permettre de sauver du temps, par exemple. Donc, si on vous décide de créer un jeu un peu à génie en herbe ou bon, de style comme ça, bien, d'avoir un plateau virtuel où les élèves, en fait, montrent leurs propres questions, puis bon, après ça, déposent tout ça dans le logiciel. Ça peut sauver du temps versus créer le plateau de toute pièce. Bien sûr, créer le plateau a des avantages aussi, mais des fois, bon, à faute de temps, on ne veut pas se lancer dans un projet bricolage, l'utilisation de Geniali avec la création de tableaux interactifs, bien, ça peut être un gros plus à ce niveau-là. Mais là, je vois qu'il y a une question. Annabelle? Oui, dans le fond, je me demandais là, pour la version payante là, pour Géopardy, ça peut coûter combien? Les abonnements, ils varient en fait avec un abonnement éducation. L'an dernier, j'avais pris un abonnement qui était autour d'une trentaine de dollars. Je crois qu'il était
en promotion pour le Black Friday ou quelque chose du genre. Ça peut être entre une cinquantaine, une soixantaine de dollars annuellement, seulement dépendamment des prix qui varient quand même à l'occasion. Donc, parfois, souvent, il y a quand même des rabais. Donc, personnellement, j'attendrai, je ne paierai pas nécessairement le plein prix, mais ça arrive fréquemment. Donc, Médéric, je te repasserai la main. Est-ce que tu veux faire un partage? Oui, un instant. Oui, donc en fait, là, pour les prochaines 15 à 20 minutes, ce qu'on vous suggère, c'est de prendre Génialy en main. Chacun de votre côté. De sorte à ce que si jamais vous avez des difficultés d'ordre technique ou si vous avez des questions, en l'utilisant, Mathieu, moi, même Steve là, pourront y répondre. Donc, on vous offre deux opportunités d'activité. Vous pouvez vous concentrer sur l'une des deux ou même faire les deux si jamais, là, dépendamment du niveau d'investissement que vous voulez faire. Mais en gros, ce qu'on vous demande, c'est de créer un Génialy. Donc, rapidement, à l'aide de votre compte enseignant, choisir une image. Donc, on vous a mis une banque d'images là, qui nous semblait intéressante. Se donner une question de travail. Identifier des éléments descriptifs et des éléments d'interprétation. Puis ensuite, peut-être un peu contextualiser l'image. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément que vous ayez une production complète de votre côté, mais simplement prendre un temps pour observer l'image de votre choix. Les éléments qui seraient intéressants là, à identifier, comment on peut la problématiser et tout ça. Vous pouvez aussi y aller un peu avec la conception d'un jeu de société. On vous a mis des exemples de tableaux questionnaires. Et encore là, un peu le même principe. Donc, une fois que vous avez choisi votre plateau de jeu virtuel, simplement, s'interroger sur un peu c'est quoi les opérations intellectuelles ou les éléments de programme que vous aimeriez travailler avec ce tableau-là, puis identifier là, un peu là, comment les éléments du jeu permettent d'atteindre ces objectifs. Donc, comme j'ai dit, on vous donnerait peut-être une quinzaine de minutes, un peu plus. On vous invite à le faire. S'il y a des gens après, à la sortie de tout ça, qui souhaitent partager leur création, bien, vous serez les bienvenus. Mais l'idée, en fait, c'est que Mathieu et moi soyons à votre disposition pour l'exercice. Donc, s'il y a des questions sur l'exercice en lui-même ou en cours de route, n'hésitez pas. Mathieu et moi, là, on reste à votre pleine disposition. En fait, Daniel, pour l'iconographie, ça dépend de votre réalité, de votre société, en fait. Si vous êtes au primaire et que vous travaillez, par exemple, les Iroquois ou les Algonquins, ou si vous travaillez, par exemple, l'industrialisation ou, disons, le Québec vers 1905, le Québec vers 1980, j'irai avec une iconographie qui traite de l'époque. J'irai vraiment selon votre réalité, puis l'adapter à votre quotidien parce que vous devez le réutiliser tout de suite. Par la suite pour pas que ça tombe dans l'oubli nécessairement. Daniel, si jamais, là, nous, on avait mis une image pour industrialisation là, qui fitterait pour primaire, mais si vous avez des besoins là, pour les autres périodes, là, je peux vous faire une suggestion, là, puis déposer ça dans le chat là, rapidement, là, sans problème. Oui, je vais aller vous chercher quelque chose, ça sera pour mieux. Merci, Médoc. En passant, n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à lever la main pour nous parler, pour nous poser vos questions. Ça va être plus convivial aussi. Oui, ben, je me demandais là, justement pour l'activité, là, on avait des images à choisir, mais je ne les vois pas. Peut-être que je n'ai pas compris l'activité. En fait, il y a plusieurs images qui sont dans la présentation elle-même. Dans le fond, Médéric en avait affiché une par la suite, puis il y a vraiment plusieurs images qu'on peut réintégrer pour la fin de l'année, autant au primaire qu'au secondaire. Ok, parfait, j'ai fouillé.
Les jeux, les jeux que vous avez montrés tantôt, là, sont où? Je comprends pas. Genre, je suis dans la gamification, puis je trouve même pas les templates, là, dans le fond. Là, je vous avoue, je suis un peu perdue, là, dans le truc, là. Il n'y a pas de problème, je vais aller me connecter. Je vais faire un partage d'écran pour aller vous montrer exactement oui, ils merci. Sont où. Voilà, donc techniquement, vous devriez voir mon écran juste ici. On va aller dans Créer un générique. Okay. Je vais avoir justement dans Gamification, vous êtes au bon endroit. Ouais, c'est ça, j'ai même pas ça, Créer un générique. Est-ce que vous êtes connecté? Oui. OK. Donc, techniquement... OK, c'est bon. Je l'ai trouvé. Bon. Après voilà. Ça, peut-être... Créer un Genially, on va dans Gamification. Okay. Et dans Gamification, il y a un petit menu à gauche qui va se dérouler. Et on va avoir Quiz et Jeux. Est-ce on que a ça, également... maintenant, tu vas trop vite. Excuse-moi, je suis une matante, moi, là. Il n'y a aucun problème. C'est parfait, je vais faire un retour. Donc, j'ai cliqué sur, dans le fond, créer un Genially. Oui. Donc, après ça, on met en fait toutes les catégories, présentation, oui, infographie. C'est le troisième gamification ici. Tout à fait. Donc, je sélectionne gamification. Et en sélectionnant gamification, je vais avoir un menu déroulant à gauche. Dans lequel va se trouver quiz, jeu et escape game, qui sont les jeux d'évasion. Je vais cliquer sur jeu. Et ça va dérouler, ça va descendre en fait un peu la page et ça va m'amener vers différents modèles de jeux. On en a ciblé quelques-uns qui s'y prêtent bien. Il y en a plusieurs autres, mais ceux et celles qui s'appliquent le mieux à l'univers social, c'est vraiment le jeu de Jumanji, en fait, le jeu Jumanji, il y a le Monopoly. Si jamais vous avez un concept comme l'industrialisation, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et également, un peu plus bas, le serpent échelle, Snakes and Ladder. Le Animal Race fonctionnerait bien aussi. Ça s'appliquerait bien, c'est le même principe que Snakes Ladder. Et ensuite, ben, vous avez le Jeopardy qui est payant. Puis, mettons, parce que tu parlais plus pour réviser là, des contenus, oui. Mais mettons qu'on voudrait leur faire apprendre des contenus. Parce que moi, parce que je cherche un moyen parce que tu sais, qu'ils fassent une recherche sans que ce soit un questionnaire avec des questions, là, tu sais, puis que là, ils aient cliqué sur des vidéos, que ce soit plate. Tu sais, je me dis, tu sais, si à travers un jeu, c'est ça que j'aimerais faire, là, dans le fond. Là. Ouais, vous êtes au secondaire ou au primaire? Au secondaire, mais moi, je suis pas en univers social, là, mais je suis en projet pilote pour le programme de culture souveraineté québécoise. Oui. Fait qu'il y a quand même plein de liens. Là, je te dirais que je regardais c'est Médéric là, qui présentait oui. L'image. Là, il y a quand même toute l'iconographie, il y a quand même plein de liens à faire. Oui. Là, que pour moi, je suis capable de l'associer à ma matière sans problème. Là. Fait que, ouais, ce serait ça. Si dans le fond, mon thème, c'est technologie et défis d'avenir. Puis je veux, dans le fond, T'sais, j'ai trouvé un documentaire de Louis T sur le transhumanisme. Mais tu sais, à place de faire un questionnaire classique là, où j'écoute le documentaire puis là, je réponds à des questions, j'aimerais ça le faire à travers un jeu que je trouve ça super intéressant. Fait que je ne sais pas quel jeu serait le mieux, tu penses, là, bon, pour si mes on besoins. Regarde, si on regarde Jumanji, ce qui pourrait être intéressant, c'est de créer en fait... une fenêtre contextuelle, une étiquette comme Éric présentait tout à l'heure, avec, bon, il est ouvert à deux endroits, je suis désolé, il est ouvert à l'angle. Fait que dans Jumanji, je vais être capable de dire. C'est sûr que dans le jeu de plateau, par défaut, on peut tomber un peu aussi dans les savoirs, tu sais, un peu plus d'apprendre de par cœur, puis bon, déclaratif. Là où parfois, par exemple, le jeu de cartes ou l'analyse iconographique, comme j'ai parlé plus tôt, permet plus une réflexion ou un débat. Ouais, c'est ça, mais là, moi, c'est pas ça, c'est vraiment une première justement, je veux qu'ils apprennent des affaires. Là. C'est juste que sache c'est quoi le transhumanisme, c'est quoi la technocritique, la technophilie. Ils ne sont pas dans la réflexion, ils sont dans bâtir des concepts, là, des connaissances pour avoir une réflexion après. Là. On est vraiment au début de la démarche, là, si on veut. Là.
Dans le fond, c'est vers ça que j'irai en fait. Disons qu'on continue. On pourrait voir un extrait textuel aussi, disons le transhumanisme. Donc, j'y vais avec mon contenu ici. Parfait. Donc, j'ai ma bulle, j'ai ma fenêtre qui va apparaître sur le transhumanisme. Donc, j'ai mon extrait de contenu qui est sur ce point-là. Donc, si l'élève tombe dessus ou s'il le dépasse, ben, il faudrait automatiquement, par exemple, qu'il l'ouvre. Ça pourrait être dans vos règlements. Et par la suite, on pourrait intégrer un élément interactif qui est en version bêta, qui sont les questions à choix multiples ou à choix d'image ou un vrai ou faux. Donc, il pourrait avoir une petite question qui s'accompagne du texte. Donc, pour répondre à la question, l'élève doit faire son acquisition de contenu. Donc, à travers de tout ça, vous pourriez justement valider ou l'élève pourrait avoir une rétroaction directe sur l'apprentissage qu'il est en train de faire. Donc, moi, j'irais peut-être comme ça. Puis ça pourrait être intéressant et avoir une conséquence aussi dans le jeu s'il ne répond pas correctement à la question après avoir pris connaissance du texte ou de la vidéo ou de l'extrait audio. Il recule d'une case, par exemple, où il y a peut-être un pot à conséquences négatives. S'il l'a du premier coup ou s'il l'a très bien, bien, il peut avoir également des bonus. Donc, un système de bonus-malus à travers justement cet apprentissage-là. OK, ça pourrait merci. Être... Oui, c'est vraiment intéressant. Merci. Ensuite, on a Nathalie. Oui, bonjour. Est-ce que ça serait possible de nous donner un exemple concret de ce que vous venez d'indiquer, de nous montrer vraiment comment ajouter une question interactive, comment ajouter avec les bonus, comment le... Je suis vraiment néophyte, là. Puis ça, c'est ça, ça m'intéresse, mais j'ai envie de vous nous le montrer. Okay, bon. Je pense que je vais apprendre plus comme ça que si j'essaie par moi-même, là. Merci. Dans le fond, je viens de cliquer directement dans les éléments interactifs et j'ai cliqué sur « Questions à choix multiples ». Donc, j'ai ici rédigé une question avec plusieurs bonnes réponses. Donc, la question, je peux aller la modifier directement ici. Donc, est-ce le transhumanisme? J'ajoute certaines réponses. En fait, vous m'en posez une bonne, j'ai aucune idée ce qu'est le transhumanisme. C'est pas du tout dans le contenu avec lequel je suis habitué, mais bon. Disons, réponse A, réponse B, réponse C. On va se casser par la tête. Et on peut justement mélanger les choix pour que l'élève ne regarde pas, par exemple, sur la tablette, sur l'ordinateur à côté. Bon. On peut également le configurer. Donc, est-ce qu'on reste sur la page lorsqu'on clique? Est-ce qu'on va à la page suivante? Bon, avec le facteur de réussite. Et après ça, le design. Est-ce qu'on veut que les choix soient comme ça, on peut personnifier absolument tout. Donc, on a notre contenu, super intéressant, et on peut le rapetisser, on peut l'agrandir. Et j'ai l'impression également qu'on peut lui mettre une animation. Ça peut être uniquement quand on clique dessus que ça apparaît. Donc, ça, la page ne serait pas là, mais on pourrait justement, quand ça clique, ben, ça apparaît. Donc, augmenter, restreindre, et on peut aller chercher l'effet. Bon. Effet d'entrée, apparaître, on clique dessus. Voilà. Donc, j'ai ça ici. Effet, configuration. Donc, je le rapetisse. Faudrait que je vois vraiment où le mettre. Ou je vais l'ajouter sur une autre page. Je vais l'ajouter sur une page vierge plutôt. La question, je vais la mettre ici. Transhumanisme. Ça me répond, voilà, ils sont sur ma page vierge. Et si l'élève, par exemple, et je reviens à ma page précédente, ici. Je vais lui mettre un effet. Je sais que je vais aller très, très vite ici. Donc, quand j'appuie sur ce bouton, je vais être capable justement de me rendre vers une autre page. Alors, j'ajoute une animation. J'ai un flou, je sais pas si c'est numérique, quand on appuie sur un bouton, ce qui nous amène vers une autre page.
appeler, c'est exactement. Une seconde, sinon je te ressemble. Ouais, ça fait un petit bout, je ne l'ai pas passé. C'est là. Ouais. Ah, c'est ça. Dans le fond, je peux justement ajouter une animation qui va m'apporter à une autre page. Donc, en élément interactif, je pourrais ajouter ce bouton. Et ici, donc ce serait le bouton « Amène-moi à la question ». Et en termes d'interactivité, ça pourrait être « Aller à la page ». Et là, ça m'amène vers la page de la question. Donc, j'aurai à la question un bouton « Contenu » dans lequel il y a le transhumanisme, donc mon texte. Et j'aurai un bouton à côté qui m'amènerait à la question, donc à la page 4. Si je fais un test rapidement, je vais le présenter comme ça. Donc, j'ai mon jeu Jumanji, j'irai lire le texte sur le transhumanisme et une fois que j'aurai pris connaissance du texte, j'irai répondre à la question et on m'amène ici où je peux répondre à la question. Donc, je vais cliquer ici, envoyer et on me dit que ce n'était pas la bonne réponse. Et là, il pourrait y avoir une animation qui me ramène sur le plateau de jeu. Donc, ça peut être intéressant d'avoir les questions sur une page supplémentaire ou d'avoir uniquement un extrait textuel. Sont aussi dépendamment de ce que vous voulez faire ou du niveau de temps que vous voulez investir dans la création de votre plateau, rien qui vous empêche d'y aller un peu en formule hybride. Dans le sens où vous avez par exemple votre plateau de jeu sur un Chromebook, une tablette, un appareil, il y a le dé virtuel et des éléments virtuels, mais vous avez aussi des cartes physiques, par exemple, pour les questions. Bon, pour ramasser des points indépendamment du style de jeu. Là. Donc, c'est ce qu'on vous suggère en fait là, généralement, parce que ben, des fois, que tout soit virtuel, ça peut représenter un défi supplémentaire là, pour les élèves, sans que ça n'amène autant toujours quelque chose d'intéressant. Là. Donc, il y a un équilibre à trouver en fonction de ce que vous voulez faire, puis votre niveau d'aise aussi là, avec la plateforme. Je me permets, Mathieu, je pense que je referais peut-être le processus que tu as démontré juste pour clarifier. Là, oui. Peut-être une fois comme pour. Parfait. Oui. Donc, disons, okay, je vais repartir de zéro. J'ai mon élément interactif juste ici. Donc, mon élément interactif, on va lui ajouter du texte. Donc, ajouter de l'interactivité et mon texte est sur le transhumanisme. Une fois que mon texte est inscrit, je vais le sauvegarder. Et ça va apparaître sous la forme d'une fenêtre quand je vais cliquer dessus. Donc, j'ai mon contenu. Cependant, j'aimerais aussi que lorsque l'élève a pris connaissance du contenu, qu'il réponde à une question. Pour répondre à une question, on est capable de faire apparaître des questions à choix multiples ou des questions de vrai ou faux. Et la question va apparaître sur la page de notre choix. Donc, je vais ajouter une page qui est complètement vierge. Et je l'ajoute. Cette page est la page numéro 4. On peut voir le numéro de la page juste ici. Je reviens dans mes éléments interactifs et je crée une question sur le transhumanisme. Le transhumanisme permet-il de... Ouais, c'est bon. Vrai et faux. La réponse qui se fait, que je souhaite qu'il soit bonne, c'est le faux. Voilà, j'ai ma question qui se trouve sur la page 5, sur la page 4, je m'excuse. Et je vais revenir maintenant à mon plateau de jeu. Plateau de jeu qui est ici. Je vais aller maintenant chercher un élément interactif qui est le suivant. Il va apparaître sur mon plateau de jeu. Je vais le placer à côté de mon texte sur le transhumanisme. Et je vais lui donner une interactivité. Cette interactivité-là pourrait être une étiquette, une fenêtre comme le texte sur le transhumanisme, mais au lieu de tout ça, je vais aller à la page. Donc, je vais aller à la page et je vais aller à la page 4, qui est ma page sur la question vrai ou faux. Et je vais sauvegarder. Donc, dès que je vais avoir répondu, que je vais avoir lu le texte sur le transhumanisme, je vais pouvoir cliquer
sur le bouton de la question. Ça va m'amener à la page 4. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de faire un retour. Lorsque l'élève a répondu à la question de la page 4, il pourrait avoir un bouton « Je reviens au plateau de jeu ». Aller à la page, revenir à la page 3. Et je sauvegarde. Donc, testons-le. Donc, je brasse le dé, j'arrive et je dépasse le troisième point. Je lis le texte sur le transhumanisme. Je vais répondre à la question. J'ai une excellente réponse. Et ensuite, je reviens au plateau de jeu. Évidemment, vous avez vu que le personnage était revenu à sa position de départ. Ça peut être justement peut-être un petit irritant. Ça fonctionne comme ça. Je voudrais que j'aille un peu plus loin. Faudrait que j'aille un peu plus loin pour voir comment pallier cette situation. Mais c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc, en fait, c'est ça, que ce soit pour la création d'un plateau de jeu ou l'analyse d'une image iconographique, il faut vraiment voir Geniali un peu comme un hybride entre un outil de dessin et un PowerPoint. Donc, je peux avoir plusieurs diapositives dans une même présentation et au sein de cette diapositive-là, avoir des éléments interactifs qui soit me réfèrent à des questions, soit me réfèrent à d'autres présentations, d'autres diapositives. C'est vraiment rare un bon contrôle sur tout ça. L'idée, bien sûr, c'est de vous assurer là, de ne pas vous perdre là, dans la quantité de choses possibles à faire parce que ça peut monter vite. Je crois que Annabelle, tu avais une question? Oui, c'est ça. Dans le fond, là, je voulais avoir votre avis. Je pensais y aller, là, dans le fond, avec une présentation de dossier iconographique, dans le fond, avec des images. Là, en ce moment, là, j'avais pris l'image, par exemple, sur les quartiers ouvriers là, pendant l'industrialisation. J'avais écrit en haut, en forme de texte, là, quel élément dans l'image peut prouver que c'est un quartier industriel, par exemple, un quartier ouvrier. Après ça, un coup que je présente l'image, est-ce que je peux travailler avec les élèves directement dans le document? Par exemple, un à un lève sa main, vient me dire, tel élément, par exemple, montre qu'on est dans un quartier ouvrier. Là, je vais installer la puce ou même l'élève y va. Un coup qui est enregistré, est-ce que je peux comme le renvoyer aux élèves puis ils vont avoir accès à ce qu'on a fait en classe comme live? Ça se fait exactement. OK. Dans le fond, c'est la présentation peut être partagée à tous nos élèves avec un lien social et chaque élève va avoir accès à la copie qu'il va pouvoir consulter. Donc, ça peut être un travail qui est fait en co-construction en classe avec les élèves que vous leur partagez ensuite et qu'ils peuvent utiliser comme un outil de révision ou d'enrichissement. Parfait. Puis, un coup qu'on leur envoie le lien, eux autres, est-ce qu'ils vont pouvoir modifier le document original ou c'est une copie? Une copie. Excellent. Donc, c'est ça. Il est tout à fait possible après là, de monter pour vous un document de notes, un peu comme on a vu avec la caricature de Marc Lemathieu avait montré, là, où là, c'est plus de contenu puis c'est vraiment conçu pour les élèves, pour une révision et tout ça. Mais je les empêche aussi là, de monter eux-mêmes leurs notes et les faire approuver par vous, par exemple. C'est tout à fait possible, en effet. Nathalie? Donc, il y a juste un élément qui est négatif. Je vais ouvrir ma caméra. Désolée, je joue avec mon chien en même temps. C'est qu'il y a juste un élève qui, ou encore une personne qui peut travailler à la fois sur le document. Ça, c'est la partie qui est vraiment négative parce que moi, je travaille dessus de temps en temps. Fait que si moi, si on fait un travail avec deux élèves en même temps, il doit y avoir un élève qui travaille sur la modification, tandis que l'autre, il va amener les ressources. Fait que ça, c'est le seul élément que je trouve qui est négatif au niveau de la collaboration. C'est qu'on peut, oui, on peut travailler ensemble, mais il faut que ce soit une personne à la fois qui travaille. Oui, c'est ça. En fait, Geniali ne permet pas qu'on soit deux à l'intérieur d'un même document, le modifier en même temps. C'est dommage, justement, parce que les élèves n'ont pas tous les mains sur les touches en même temps. Ça reste un
je pense, un petit irritant. Puis, à travers de tout ça, il y a quand même un potentiel qui est intéressant. Avant de te laisser la main à Médéric, j'aimerais vous faire un tout petit partage sur une expérimentation qui a été faite par Éric Bédard dans la COP de création de jeux en univers social. Et il a adapté le jeu Monopoly pour la réalité sociale de l'industrialisation. Je pense que c'est vraiment un travail qu'il a réfléchi et qui mérite qu'on en parle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, M. Bédard? C'est qu'il a adapté Monopoly avec les villes de Leeds, Bristol, Liverpool, Glasgow, Newcastle. Donc, ça, il est allé chercher des villes industrielles à l'époque, justement, de la révolution industrielle. Il a créé, justement, au lieu des trains, par exemple, ben, les trains sont là, je m'excuse, mais des compagnies de bateaux à vapeur. Il a intégré, par exemple, des éléments, justement, de la réalité sociale. Il a créé des règlements personnalisés à l'aide, par exemple, de ChatGPT. Donc, il a vraiment adapté les règlements de base de Monopoly à sa réalité sociale et il a intégré des concepts tels que le capitalisme, l'urbanisation, l'industrialisation, le socialisme et le capitalisme, le libéralisme économique. Et il a utilisé un module complémentaire pour sa caisse commune. Vous allez voir, c'est tout à fait épatant. Donc, il a utilisé l'app Sorteos et donc il a adapté justement des conséquences, que ce soit positives ou négatives, en fonction justement de la réalité sociale de l'industrialisation. Investissement en bourse, investir en bourse, c'est gagner 10% de votre capital. Et chacune des cartes sort même un petit peu en dessous de la pile, c'est-à-dire qu'elles vont rester là jusqu'à ce qu'on les réinitialise. Venez d'ouvrir une nouvelle usine, gagner 100 $, par exemple. Donc, il a adapté vraiment cette réalité pour que les élèves soient immergés dans le jeu et puissent permettre de comprendre certains concepts. Donc, de son côté, il a préféré créer le jeu pour faire vivre une activité à ses élèves pour l'intégration de concepts. Et les élèves n'étaient pas dans le processus de création, mais plutôt d'intégration des concepts et des apprentissages. Donc, je pense qu'il a fait un travail quand même remarquable dans cette préparation. Oui, ben en fait, là, Annabelle, il y a en univers social, on a déjà quelques plateaux là, de créer, du moins un. Justement, là, j'allais présenter le tout. Donc, en univers social, pour le primaire, mais aussi, on a eu des enseignants qui m'ont testé en adaptation scolaire. Puis, je crois que la base pourrait quand même être travaillée pour les cycles correspondants. On a, par exemple, bien vu dans ma seigneurie que nous, on a adapté à partir une activité de jeu qu'on avait déjà montée là, en univers social. Donc, voyez-vous, là, on vous a mis les liens nécessaires à la diapo 25. Puis, en fait, je vais là, vous le montrer. Parce que ça montre bien aussi là, que bon, on peut aller loin, on peut formuler là, des questions, des trucs comme ça à même le jeu, mais aussi on peut se servir du jeu de façon complémentaire à un jeu en classe. Donc l'idée de Bienvenue dans ma seigneurie, c'est un peu un jeu là, où on tire un dé, on se déplace, on ramasse des ressources en fonction du temps de l'année, puis ben, c'est le premier joueur qui ramasse X nombre de ressources déterminées qui n'en pas. Par exemple, je pourrais prendre le paysan, appuyer sur mon petit dé, faire pouf, et j'avance de 1. Personnage, j'avance de 1. Je clique sur ma case. Et là, tu défriches ta terre et tu construis ta cabane pour l'hiver, une corde de bois. Donc là, les cordes de bois et ces éléments-là, c'est des éléments qui sont physiques. Je peux les noter sur un papier ou l'enseignant peut fabriquer des jetons. Et voilà, je continue à jouer comme ça. Et en fait, ce jeu. Oh, là, j'ai perdu une ressource. Donc, ben, ce jeu-là, comme vous voyez, le plateau, il est utilisé en format virtuel parce que ben, c'est l'avantage quand même là, d'offrir une esthétique puis de réduire la quantité de matériel nécessaire à fabriquer. Mais j'ai quand même un pied aussi dans le monde physique, entre guillemets. Où les éléments, les ressources et tout ça, bien, je vais les avoir entre mes mains. Donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés, là,
On a les règlements du GULSI, puis les règlements disponibles sur le site du Récit univers social. Puis on a même là un exemple imprimé du plateau également. Donc, si vous avez des questions sur l'utilisation de Geniali, que ce soit pour l'analyse iconographique ou pour le jeu, je sais qu'on a beaucoup parlé du jeu, mais si vous avez aussi des questions d'ordre sur l'iconographie, ne vous gênez pas. Vincent et moi, on reste encore là, un temps pour en discuter. Sinon, pour le reste, si vous avez des questions, Mathieu et moi sommes disponibles. Puis sinon, vous pouvez toujours aussi écrire à info@tristitus.qc.ca. Ça nous fait toujours plaisir de vous pépaner ou répondre à vos questions en univers social.